Un petit coin de paradis. Bienvenue à Raja Ampat, un archipel de 1500 îles qui s'étale sur plus de 67 000 km² dans la province indonésienne de Papouasie occidentale. C'est incroyable. On a visité des millions d'îles, mais je dirais que celle-ci est la plus belle. Avec plus de 1400 espèces de poissons et 600 variétés de coraux, la région abrite l'une des plus grandes biodiversités au monde. Le gouvernement indonésien veut en tirer parti et développer transports et hôtels pour attirer les touristes dans une région aujourd'hui difficile d'accès. J'ai bon espoir de pouvoir rivaliser avec d'autres destinations à travers le monde, parce que Raja Ampat a beaucoup de sites naturels de toute beauté. Mais les tribus papous qui habitent ici s'inquiètent des conséquences du développement du tourisme de masse. Je pense que le gouvernement central devrait aborder tout cela en fonction de nos besoins culturels et intervenir en écoutant les aspirations culturelles des locaux. Le tourisme de masse a déjà laissé son empreinte à Raja Ampat. En mars, une fausse manœuvre d'un bateau de croisière a détruit quelque 13 500 m² de récifs coralliens près d'un site de plongée mondialement célèbre.